Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre de mes revues de bière. Euh, comme toujours, toujours content de goûter de la nouvelle bière. Euh, J'ai pas besoin de vous dire comment content que je suis aujourd'hui de goûter une bière de la brasserie de Dieu du ciel euh, du Québec. Euh, vraiment une brasserie qui est super intéressante. Euh, J'en connais pas plus de cette brasserie-ci que ça. Euh, malgré je devrais en savoir beaucoup plus parce que disons euh, basé sur mon feed d Instagram et de Facebook. Euh, c'est une brosse qui est très 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 connue euh, Puis ils font de l'intérêt de bonne bière apparemment euh, Je pense que c'est comme un genre de shame Que j'ai pas goûté leur bière encore euh, But j'ai vu le 4 pack de 7 pack au AMBL uh, fait que, Je me dis je, je pense pas que c'est une bonne idée Que je la laisse là euh, Je crois que je vais l'amener à la maison avec moi Fait que je suis super super content D'avoir eu trouvé celle-là But avant qu'on qu rentre trop, euh, trop cru dans cette bière là dans le, dans le style de bière que c'est. Euh, juste dire un, un petit mot pour les euh, pour les sponsors. En parlant de sponsors, euh, je ne sais pas si vous avez entendu euh, mon nouveau intro. J'espère que vous allez l'écouter. Euh, J'ai eu la, la chance d'aller voir les, les Blue Marshalls euh, à Chipoga au festival des pêche et aquaculture. Euh, super, super de bons shows. Je tombe en amour avec ta bande-là. Euh, je connais Stéphane, ça fait longtemps. Euh, le frontman de la bande. Puis Gino, je l'ai rencontré euh, quelques jours après. Puis euh, Phil Robichaud qui joue la bass si je me trompe pas. Puis l'autre membre de la band. Je ne peux pas me rappeler de son nom. J'ai honte que je, je connais pas son nom. En tout cas, vous me corrigerez vous mettrez son nom euh, dans les commentaires en bas. En tout cas, c'est vraiment, vraiment... Euh, euh une super de bonne band, euh, vraiment de la bonne musique. Puis c'est ça j'ai demandé à Stéphane voir si c'était correct d'utiliser euh, une de leurs chansons. Euh, leur, leur hit qui est sorti de, de la Black Mirror pour mon intro. Euh, super, super de bonne chanson. Euh, vraiment un bon beat. Fait que gros gros merci aux Blue Marshals. Euh, je l'ai utilisé la semaine passée, mais j'ai pas vraiment parlé de ça euh, plus qu'il fallait. Fait que euh, je fais le gros shout-out cette semaine. Euh, J'espère que vous avez vraiment bien aimé ça. Euh, ça va faire partie de mon intro. Je, je sais pas si que de, um, je vais faire un des petites de modifications dans mon, mon introduction euh, dans les prochaines semaines. Je vais essayer de travailler toute cette semaine. Mais euh, la Twin va rester là. C'est vraiment une super belle chanson. Euh, moi, je l'aime vraiment, vraiment bien. Bien au bout. Euh, si vous allez juste. Si je ne me trompe pas, elle est sûrement disponible sur YouTube au complet. Je vous conseille très fortement d'écouter au complet. Puis, euh, gardez les yeux ouverts, likez leur page Facebook, puis euh, allez voir en concert. Ça vaut la peine. C'est des musiciens incroyablement talentueux. Euh, dans toute leur propre manière, c'est vraiment un assemblage de musiciens. Excellent, fait que je vous conseille très fortement d'aller liker la page puis euh, écouter ce tune là euh, parce que mon intro est seulement à peu près une minute de long, fait que c'est juste vraiment un, un tout petit bout de la chanson. J'ai assez choisi la meilleure bout, assez d'incorporer l'introduction, la, la, la verse, petit peu du chorus euh, de la tune, fait que, anyway, moi j'ai très 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 enjoyé cette ch chanson là. Puis ça va tout avec mon mon but de l'émission, c'est vraiment de supporter local euh, quoi que ce soit, c'est que tu, tu fais de la bière artisanale ou que tu fais. Des, des peintures ou que tu fais de la musique, c'est vraiment supporter les artistes locales. Euh, parce qu'à la fin de la ligne, faire de la bière artisanale, c'est vraiment un art. Puis euh, moi, je mets tout ça dans le même bateau. Fait que peut-être que je suis pas right de faire ça, mais moi, je pense que c'est vraiment la, une bonne bière bien, euh, bien brassée. C est, c est vraiment, pour moi, c'est une pièce d'or Fait que ça va tout ensemble. La, la musique locale, la bière locale, euh, c'est toutes des choses qui vont très, très, très bien ensemble. Je suis bien content d'avoir ça sous mon intro. Puis, c'est sûr, on va donner un gros shout-out au Bulldigger pour être un de mes Gros merci, ils sont toujours là pour m'aider, à quoi que, que j'ai besoin. Puis, euh, vous, autres, vous pouvez les trouver euh, sur la rumaine, la batterie, sans rumaine, euh, au-dessus de 20 tables de bière de nouveau Brunswick artisanale, euh, vraiment une belle, belle sélection, une belle ambiance. Euh, C'est sûr que de de on en a plein mieux l'été. Euh, le patio dehors est absolument excellent. C'est assez fun à enjoyer ça. Euh, T'as là une bonne bière fraîche, vraiment, il euh, n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Puis. Un autre gros merci à Mathieu Roy et euh, ses compagnons de Bass Tag Fishing euh, pour être un super decommoditaire aussi. Euh, si jamais vous cherchez de quoi faire dans la région de région Chaleur, région Batters, ou euh, vous venez essayer de visiter la famille quoi que ce soit. <coughs> Super belle activité. Ils font les sorties en kayak pour pêcher du bar rayé. Euh, vraiment une activité vraiment excellente. Le bar rayé ici il est vraiment populaire, mais des fois il est difficile à trouver. Euh, fais certaines pas de casse à la tête, euh, que ce soit pour trouver le poisson ou même l'empacter pour l'amener à la maison. Le prochain coup de fil à Bass tag Fishing. Ils vont sortir, ils vont trouver la bonne spot. Euh, T'as pas besoin de fouiller en C'est des guides certifiés. Ils savent quoi ce qu'ils font. Puis ils vont vous pogner du bon bass. Puis je vais dire tout de suite, euh, si je me fie à leur page Facebook, je pense que le bass est dans la région chaleur. Puis il mord très 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 beaucoup. Fait que allez checker ça. C'est des commanditaires là. Donnez-lui euh, un gros like sur leur page Facebook. Puis euh, allez checker ça. Bon, on passe une bière à cette heure Je pense que oui. Bon. Saison du Pâques des Brasserie du ciel. Euh, fait là la saison du Pâques, ça fait partie de la série Momentum. Euh, c'est une série ceux qui euh, sort une bière à chaque mois de l'année. Euh, Puis si je me trompe pas, je sais pas si c'est des variations année en année euh, des bières, mais euh, celle-ci c'est celle du mois de mai. Donc je suis un peu en retard euh, dans, dans ma revue disons euh, Mais ça c'est pas grave, c'est c'est seulement quelques mois. Euh, pour quelques raisons, un autre, j'avais hésité de l'acheter euh, quand j'ai vu la première fois, mais là, je me dis, euh, je la laisserai pas là. En fait, c'est une bière saison, euh, c'est une bière saison ou le style ou bleu les saisons, pour ceux qui me connaissent, c'est sûr que, que vous, vous savez que les saisons, c'est up there dans mon style de bière que j'aime. C'est des bières qui peuvent être complexées. Vraiment des bières bright, euh, effervescentes. C'est vraiment des, des bières qui sont faciles à boire. Il peut y avoir toutes sortes de, de, de saveurs dedans, des épices, quoi que ce soit. Euh, puis il y a tellement de variations dans la bière saison. Fait que c'est vraiment une bière que j'adore goûter de différentes places. Fait que celle-ci, sans doute, euh, c'est ce une que j'ai vraiment, vraiment hâte de goûter. C'est une saison à pas trop euh, fort teneur d'alcool, seulement 4.2% 4, d'alcool. Euh, dans mes préférences à moi, euh, c'est rare que je vais aller vers une bière de, de 4.2%. Euh, moi, le, le trend de, de low alcohol beer, euh, beer, je suis pas ça, pas Moi, je suis dans 5.6, 6, 7%. Euh, alors ah oui, en montant, j'aime les bières assez fortes. C'est très très rare que je boire une bière en bas de 5%. Mais là, on fait exception aujourd'hui avec brosses du ciel Je suis vraiment excité de goûter ça. C'est un four pack c'est disponible au NBL NBA, de Batters. Euh, c'est sûrement que c'est disponible à travers la province aussi. Euh puis je crois que leur, leur paquet, euh, tu sais, il y en a une qui a sorti, une série qui a sorti au mois de juin, une série qui a sortie au mois de juillet. Euh, je ne les pas vu, mais je suis sûr que si vous travaillez dans la province de New Brunswick ou même si vous êtes dans le bout de Québec, euh, à Saint-Jérôme, puis à, à Montréal, euh, ils ont deux, deux locations euh, où -ce que vous allez être capable de trouver euh, toute leur bière, puis goûter euh, leur fameux euh, pêche immortel. Euh, que moi j'ai pas encore eu la chance de goûter, mais c'est sûr que je vais la goûter très très bientôt. Parce que je commence à avoir euh, de la grosse curiosité envers euh, Brasserie du ciel. Puis là je garde sur mon screen puis je pense que j'ai encore un petit peu de difficulté avec mon, mon recording ça se peut qu'il y ait un, un petit peu de glitch J'ai encore à travailler là-dessus, à essayer d'arranger ça, je suis vraiment pas un, un internaute quand ça vient aux ordinateurs Mais... Euh, si quelqu'un sait comment arranger ça, euh, les éditeurs... Euh, lâche mon coup de fil, j'ai besoin de l'aide Pour arranger ça, s'il vous plaît Bon, on va verser ça dans le super verre de Jim Line Glassware. Gros merci à eux de Halifax euh, qui m'ont fourni quelques verres. Puis c'est sûr que pour une saison, on va sortir le verre Fancy, le Take You. Puis euh, ça paraît juste bien là-dedans. Puis c'est juste beau. Puis ça se boit mieux d'un beau verre. Vraiment une belle couleur. Super, super belle couleur. Tu sais c'est vraiment un beau boire les boules, les boules se la boîte aussi Vraiment intéressant, c'est quoi la saison du parc, ça, fait, ça donne l'idée de Si tu a après boire une bière au parc C'est pas une mauvaise idée ça C'est quoi que c'est vraiment intéressant à faire Moi je m'aiderais pas ça faire ça, c'est au parc Petit pique-nique, petite bière C'est le fun, il donne, il donne le goût de sortir durant la journée Pour aller prendre une petite bière en ville euh, fait super de beau déball, super de belles boîtes. Ça, ça se suit tout ensemble, vraiment, vraiment beau. Fait vraiment une belle couleur, super euh, genre de jaune, vraiment léger. Une belle tête euh, qui se dissipe euh, assez rapidement. Fait à l'odeur, t'as les, les odeurs de céréales, Il fruit un peu. Ça sent les épices de saison, puis tout ça, toutes les, les notes, les caractéristiques d'une très bonne saison. Jusqu'à date, euh, ça va pas mal bien. Hmm. Tellement bright. je dis ce mot-là en anglais. Je sais pas vraiment comment le décrire en, en français, mais quand ça rentre dans la bouche, c'est juste comme. Une explosion de goût super super bon vraiment c'est c'est bright c'est léger c'est sparkling c'est c'est juste happiness d'un verre c'est vraiment c'est tellement tellement bon c'est vraiment délicieux tu sais dans, dans le back end t'as vraiment les, les notes terreuses euh, qui traînent l'arrière un peu vraiment bon les notes de fruits Vraiment, vraiment une bonne bière. Légère, facile à boire. C'est assez rafraîchissant. Ça rentre dans la bouche. Je te dis, ça fait dans tous les quatre coins de la bouche. Euh, vraiment, vraiment une excellente bière. Une belle couleur. Un beau mot de feel. Euh, une très, très bonne saison. Euh, au contraire, de, de, de plusieurs saisons que, que, je, que je vois euh, bien souvent. Il y a des saisons qui sont... Euh, que tu peux, ça, tu peux les âger, euh, Tu peux les garder plus longtemps. Celle-là, le site, il recommande de pas la âger. Euh, donc euh, si tu n'achètes, bois-le tout de suite, fais comme moi, on n'a pas besoin de âger la bière euh, On n'est pas ici de faire des, des, des conneries de mettre la bière euh, dans le garde-robe, bon bois ça tout de suite <laughs> Mais je suis sûr qu'il y a du monde qui sont vraiment contre ce que je viens de dire Oui c'est sûr que faire vieillir la bière, c'est euh, le payout est très très bon euh, Mais moi j'ai juste malheureusement pas la discipline pour ça, pas en tout, pas, pas euh, Peut-être un jour je serai vieux assez puis euh, mature euh, pour avoir cette discipline-là de âger de la bière plus qu'une semaine ou deux mais jusqu'à ce temps-là moi je vais les enjoyer fait que c'est ça si jamais vous avez comme là ça fait longtemps que je la vois euh, pour quelques raisons j'avais jamais été goûter anything des brasseries euh, du ciel fait que si jamais si vous avez de la bière que tu vous aimeriez quelque, voir sur le show euh, vous aimeriez me voir les, les ou dans la cette bière là. Euh, une bière que tu as goûté, que tu as vraiment aimé. Euh, n'hésitez pas à me lâcher un coup de fil. Un coup de fil. Un message sur Facebook, quelque chose comme Vous pouvez me téléphoner si vous voulez. On, on jasera de bière. Euh, fait, tu n'hésitez pas à me donner des suggestions euh, de bières à, à réviser sur le, sur le show. J'aimerais bien ça entendre de, 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 des auditeurs, auditrices. De voir qu'est-ce que leur bière préférée. Puis euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir sur le show. Fait que. Laissez-moi savoir vos, euh, vos bières que vous aimeriez que je goûterais. Puis, euh, on dit note, si qui en reste encore au NBL Batters, lancez-vous là tout de suite. C'est une très bonne bière d'été. Il fait incroyablement chaud cette semaine. C'est vraiment une bonne bière qui est très rafraîchissante. Euh, je crois qu'elle va être euh, vraiment, vraiment bonne sur le patio. Fait que... Cheers! À la prochaine!